Bonjour, notre invitée aujourd'hui, Apolline Traoré, que nous recevons toujours dans le cadre de nos rencontres Festival Vue d'Afrique 2013. On se retrouve après ceci. Je vous présente notre invitée, Apolline Traoré. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le disais en introduction, on se retrouve pour un nouveau film, du moins nouveau ici dans le cadre de Vue d'Afrique. Le film, c'est Moi, Zafira. C'est ça. Toujours le même plaisir à venir dans les festivals. Bah, écoutez, on n'a pas le choix, hein. Oui. On n'a pas le choix parce que c'est le seul moyen pour nous en ce moment de se faire connaître et de faire sortir le film de son cadre où il a été tourné, de son pays. Donc les festivals, c'est une porte déjà pour nous de montrer ce qu'on a fait et de partager nos rêves avec d'autres personnes. Alors, ce qui m'a frappé, ça va sûrement frapper ceux qui vont voir le film, dès la première image, je me suis dit, ok, c'est la première image, donc après, ça va évoluer, et puis ça peut évoluer. Ce choix du noir et blanc, c'est très rare. Pourquoi vous avez choisi ça? Aujourd'hui, 2013, on se dit, on va plus à la couleur 3D. Vous êtes allé dans le noir et blanc. J'ai voulu faire du noir et blanc parce que je rentrais un peu dans la tête de l'actrice principale. Étant donné quand vous commencez le film, elle parle de son mal-être, elle parle de son environnement qu'elle n'aime pas. Mais comment matérialiser ça? Comment matérialiser un sentiment aussi fort, un sentiment aussi brut? Voilà. Et on sait que la couleur, c'est la vie, c'est la joie, c'est la beauté. Et donc, c'était une manière pour moi de matérialiser la manière dont elle se sentait dans ce village par le noir et blanc. En fait, elle voit la vie de manière très sombre. Exactement, Parce exactement. que pour dire Zafira, bon, c'est cette jeune femme qui, par rapport à sa vie, à elle, qu'elle trouve pas sympa du tout, projette sur sa fille, sur laquelle elle fonde beaucoup d'espoir. Le reste, je ne vais pas raconter, sinon les gens n'iront pas. Même si maintenant on a des incrustes de couleurs. Voilà. Donc on s'arrête là pour, hein, pour que les gens découvrent. Comment on dit ça? Pour que les gens découvrent l'histoire. Le film, est-ce que l'histoire de Zafira, c'est une histoire, je dirais, commune encore aujourd'hui dans l'Afrique urbaine? Je pense que oui. On m'a posé beaucoup la question si c'était une histoire inventée de toute pièce ou si c'était moi, Zafira, ou si c'était si c'était moi la petite fille, ou bon voilà, j'ai entendu un peu toutes sortes de questions, Vous avez mais répondu. je réponds en disant que ce n'est pas moi Zafira, mais c'est peut-être un peu moi, je me retrouve un peu dans la petite fille. Et l'histoire m'est venue parce que depuis que je suis un enfant, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et bon, quand je dis du cinéma, quand on est enfant, on ne sait pas vraiment c'est quoi le cinéma. On se dit, bon, je regarde une histoire, je regarde un film, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, je ne sais pas exactement c'est quoi je voudrais faire. Et donc j'en parlais toujours en famille, donc on m'écoutait, je veux dire, très légèrement, parce qu'on me disait que c'était un petit rêve de jeunesse. Et donc effectivement, quand j'ai eu le bac et que je devais aller aux États-Unis pour continuer mes études supérieures, je dis, ben, c'est évident, je vous ai toujours dit que c'est ce que je vais faire. Et mon père a dit, non, Non. c'est pas possible, c'est pas un métier qui va t'emmener quelque part, ça veut rien dire le cinéma. Alors donc, je me tais, je vais quand même aux États-Unis et je me retrouve dans cette ville. A d'abord fait mon TOEFL pour l'anglais et tout, et après je me retrouve un semestre à balancer. Pourquoi? Parce que papa ne veut pas payer mes études de cinéma et il me dit, trouve ce que tu veux, tout ce que tu veux dans ce monde, Sauf le sauf cinéma. le cinéma. Et voilà, je suis assise là, je me dis, mais je ne sais pas, je ne connais pas, je veux pas. Un, je veux pas. Deux, je ne sais pas. Et trois, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc pendant près de 4 mois, c'était bras de fer. Il ne cédait pas, je ne cédais pas. Et finalement, ma mère est rentrée dans l'histoire. Elle a dit, écoute-le. À la limite, fais un diplôme de 2 ans, de n'importe quoi. À la limite, tu sais, il y a l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est facile. Donc va faire l'hôtellerie, tu as ton diplôme. Et puis après, à partir de ce moment, il ne pourra pas refuser. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, ok, si je fais ça, est-ce que tu vas accepter? Il m'a dit, l'essentiel, c'est que tu as un boulot. Un autre diplôme. Comme ça, si le cinéma ne marche pas,
tu peux aller ailleurs. Donc, finalement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite dans une école d'hôtellerie. Donc, j'ai essayé de prendre tous les cours en 1 an et demi. Et c'était pénible parce que l'école dans laquelle je partais pour l'hôtellerie était en face de l'école de cinéma que je voulais rentrer. Donc, c'était pénible tous les jours de rentrer et sortir. Et après 1 an et demi, quand j'ai eu ma licence en hôtellerie, j'ai envoyé le diplôme DHL et c'est à partir de ce moment qu'il a accepté de payer mes études de cinéma. Donc, je me retrouve un peu dans la petite fille. En fait, c'est une histoire où c'est sûr que nos parents essaient de faire le meilleur pour nous et de prendre les choix qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Mais quand on a la conviction qu'on veut quelque chose, voilà, dans le film, la petite, je ne vais pas dire raconter le film, mais est-ce qu'elle a eu le pouvoir de combattre sa mère? Voilà, c'est la question. Est-ce que les parents aussi, quelque part, de fois, quand on voit qu'un enfant veut vraiment quelque chose, est-ce qu'il faut le ou la forcer à faire ce que nous, on aimerait? Voilà. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Depuis toute petite, vous vouliez faire du cinéma sans savoir ce que c'était le cinéma. Est-ce que aujourd'hui, vous savez ce que c'est que le cinéma? Je sais ce que je fais. Voilà, je sais exactement ce que je fais. Je sais que quand je grandissais, j'inventais beaucoup d'histoires. Par rapport à ça, je vais vous dire comment est-ce que j'ai su ce que je voulais faire. Parce que quand je suis rentrée à l'université, finalement, de cinéma, j'étais un peu perdue. C'était une école strictement média, cinéma, journalisme, acteur et tout. Et donc, on m'oriente dans une catégorie set design. Ça veut dire que le théâtre, il faudra. Voilà. Un semestre, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Je comprenais pas. Je dis, mais c'est pas, pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis ici? Donc, ce premier semestre bâclé, parti. Après ça, on me dit, ok, peut-être que c'est tu veux être actrice. Je dis, mais ok, je vais dans le théâtre. Horrible encore. Je dis, mais on me donne des Shakespeare à trucs là, à apprendre. Je dis, c'est pas ça. Et finalement, il y a un professeur qui me dit, il y a un professeur dans l'établissement qui connaît beaucoup l'Afrique. Peut-être que si tu vas discuter avec elle, elle pourra plus t'ouvrir. Et donc je pars. C'était un professeur noir américain qui connaissait le Burkina. Et donc quand je suis allée la voir, je dis, écoutez, je ne comprends pas trop bien ce qui se passe ici, mais je sais, je ne peux pas matérialiser exactement ce que je voulais faire. Et en plus de ça, la raison pour laquelle je ne pouvais même pas trop matérialiser, parce que les gens auraient dit, ah mais le Burkina, le Fespaco, tu ne connais pas, machin, mais je n'ai pas grandi là-bas. J'ai quitté le Burkina quand j'avais 7 ans. Donc je ne connaissais pas bien ce monde du cinéma. Et donc quand j'ai discuté avec ce professeur, elle me dit, mais tu veux faire quoi? Je dis, non, j'aime raconter des histoires, j'invente et j'aimerais le partager. Donc qu'est-ce que je fais? Et elle m'a dit, ok, va dans la production. Voilà. Parce que je posais la question, parce qu'il y a des gens qui vous regardent, aujourd'hui vous êtes réalisatrice, qui se disent, mais oui, je voudrais faire du cinéma. Mais est-ce que le cinéma, c'est vouloir raconter des histoires et les partager avec du monde? Est-ce que faire du cinéma, c'est vouloir être comédienne pour qu'on me voie? Parce que la petite fille dans Zafira, sa maman projette et dit, je veux qu'elle soit mannequin. Donc je me suis dit, est-ce que c'est le regard des autres sur soi ou c'est juste l'envie de raconter des histoires? Je pense déjà que le cinéma, en tant de la manière dont il est, c'est de prendre un rêve et de le mettre en réalité. Voilà comment est-ce que moi je vois le cinéma. C'est de prendre quelque chose qui peut exister ou peut ne pas exister et de le matérialiser à sa manière. Donc c'est pour moi, c'est ça le cinéma. Maintenant, à l'intérieur, il y a différentes façons de le faire et il y a différents aspects. Comment est-ce qu'on y arrive? On peut être réalisateur, on peut être acteur, mais tout qu'on fait, quel que soit le métier, même un caméraman aussi, il matérialise ce qu'il lui il voit par sa caméra. Voilà, un caméraman, bien que ça soit technique, vous mettez deux caméramans en place, vous leur donnez une image, ils vont le filmer d'une manière différente. Donc, c'est un rêve déjà qui est à l'intérieur qu'on a envie de partager. Et pour moi, c'est ça le cinéma, c'est un rêve qui se matérialise, c'est ça. Vous êtes dans le cinéma, on va dire quoi, un peu une douzaine d'années globalement, on va dire ça comme ça. Une petite fille, votre petite fille, je ne sais pas si vous en avez, vous dit, maman, je voudrais faire du cinéma. Est-ce que vous avez la même réaction que votre père? Un peu. je vais vous dire, à chaque fois, j'ai un petit garçon
Et mes techniciens me disent, ah ben lui, quand il va marcher, on va l'emmener sur le terrain, il va savoir ce qu'on... Je le regarde, je dis, s'il veut rentrer dans le cinéma, si c'est technique, j'ai pas de problème. Mais pour l'amour du ciel, ne sois pas acteur. Pour l'amour du ciel, c'est mon problème. Voilà. Ben, ça, merci pour la perche. Ça veut dire que dans le cinéma actuel, le cinéma aujourd'hui en Afrique, sur le plan technique, vous pensez que les choses vont mieux que sur le plan, je dirais pas artistique, du moins sur le plan des comédiens. Mm. Vous pensez que ça va mieux plutôt que derrière tous ceux qui sont derrière la caméra? Non, je ne veux pas dire que ça va mieux ou pas. Quand c'est technique, on a la possibilité d'apprendre, on a la possibilité, avec l'évolution, on a la possibilité de connaître autre chose et de s'adapter et d'apprendre. Et de s'améliorer. Quand on rentre dans être acteur, c'est difficile parce que ça devient un problème de choix. Ça veut dire, quand je dis de choix, plus de goût, voilà. C'est beaucoup plus difficile pour moi parce que de un, il n'y a pas beaucoup de films qui se font. Au niveau de ce développement-là, on n'a pas d'école. Ça, c'est un problème. Oui. Toutes les écoles de cinéma que je connais en Afrique, c'est technique. Donc, il y a, je pense qu'il y a plus une facilité. Pas d'école de comédien. Je n'en ai pas encore vu. Voilà, je n'en ai pas encore vu. Donc, peut-être les gens du théâtre qui arrivent à se débrouiller, arrivent à faire des tournées, mais acteurs dans le cinéma, en ce moment, c'est très, très, très difficile. Technicien, je pense que c'est plus facile parce que, voilà, c'est vrai que même s'il n'y a pas beaucoup de films qui se font, ils ont la possibilité d'apprendre, ils ont la possibilité, c'est technique, voilà. C'est A plus B, il y a des choses qui apprendre et puis après maintenant tu rentres dans ton talent. Mais même si tu es très 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 talentueux en tant qu'acteur, c'est pas évident, c'est pas seulement en Afrique, hein. Donc le monde entier, pourtant, en Europe. On voit des, je pense à la fille de Zafira qui rêve d'être mannequin, donc on va la voir, je pense aux comédiens connus et tout ça, quand je vous entendais que c'est pas facile. Quand vous dites comédiens connus en Afrique, vous pensez qu'ils vivent de ça? Je ne sais pas, j'en connais deux ou trois. Bon, deux ou trois sur toute la population africaine, mais tous les acteurs africains, c'est assez dur. Je pense qu'un technicien aujourd'hui du cinéma, financièrement, se débrouille mieux qu'un acteur. Voilà. Comme je le dis, par exemple, si vous prenez un Burkinabé acteur qui est très bien connu, peut-être que s'il a de la chance, il va faire un film une fois dans 2 ans, tous les 2 ans. Mais un technicien, s'il a de la chance, peut-être 2 fois dans l'année, il peut travailler. Donc vous voyez, donc c'est un peu difficile. Je pense que le métier de comédien est encore difficile et malheureusement aussi. Quand on dit connu en Afrique, c'est pas être star quelque oui, part, c'est oui. être populaire. Populaire. Voilà. Et c'est ça la différence. En Europe ou aux États-Unis, quand on dit quand tu es star, tu es populaire. Mais en Afrique, il y a une différence. Tu as fait un film, à partir de ce film-là, automatiquement tu deviens très populaire, et puis après on t'oublie. Oui. On t'identifie par rapport à un rôle, mais on t'identifie pas par rapport à ta performance en tant qu'acteur. Je veux vraiment qu'on reste sur cet aspect, le cinéma globalement parlant. Je sais que vous avez fait un film, un documentaire entre Sous la clarté de la lune et puis Moi Zafira, je pense sur le cinéma. Au Burkina, si non. Oui, j'ai participé. Voilà, il y a, c'est ça, c'est des jeunes, 2 jeunes qui ont fait ce documentaire et j'ai intervenu dans le. Voilà. Quel est l'état du cinéma aujourd'hui au Burkina Faso, qui est au niveau de l'Afrique francophone? Je pense que c'est catastrophique. Sincèrement, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que un, le premier problème. C'est que il faut absolument que notre gouvernement nous aide plus. Le ministère de la Culture nous aide, mais avec très 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 peu de moyens. Ça c'est un. Deuxièmement, on est rentré dans un tourbillon parce que le numérique a explosé et tout le monde prend une caméra et dit qu'il veut faire du cinéma.
Il faut s'il n'y a pas de restriction, on va rentrer par. Attends, je vais me donner un point parce que après, je sais que les critiques vont me tomber dessus. Certaines personnes vont me dire, bon, bon, on a des salles, et il faut qu'on remplisse les salles. Mais il faut faire. Le problème, c'est que les politiques aujourd'hui qui ont la possibilité de donner de l'argent, ils comprennent pas c'est quoi du cinéma populaire et du cinéma artistique. Ils savent pas. Pour eux, un film, c'est un film. Aujourd'hui, vous allez venir leur demander 300 millions pour faire un film et quelqu'un d'autre va venir dire j'ai besoin de 10 millions. Évidemment, il va aller dire 1 million, il va dire mais pourquoi? Lui, il peut faire ton film à 10 À millions et 10 que, millions. voilà, ils ne se connaissent pas la différence. Donc aujourd'hui, malheureusement, le numérique est extraordinaire pour nous parce que ça réduit les coûts, mais on a eu une mauvaise approche en venant dire ouais, certains. Ouais, j'ai fait mon film à 10 millions, 20 millions, ça marchait en salle et voilà. Après, donc, finalement, même au niveau extérieur, on dit l'Afrique, vous n'avez pas besoin de tant, tant, tant pour faire votre film. Et aujourd'hui, bon, en tout cas, moi particulièrement, je me retrouve à être limitée. Ça veut dire qu'on m'emmène dans un choix de technique que je devrais avoir le choix de choisir. Voilà. Et donc, en ce moment, le cinéma, il est en train de dégringoler parce que il y a. Peut-être, je ne me dirais même pas, plus de films qui se font, mais des mauvais films. De mauvais Des films. mauvais films parce que quand ils prennent le film, mauvais, ou techniquement, on l'emmène au cinéma, il fait rire, donc il y a l'engouement au cinéma. Et puis quoi? Et puis quoi? Bon, c'est bon pour les salles, mais donc on n'a qu'à faire la différence entre le cinéma qui est supposé être commercial pour les salles locales. Locaux, pardon, local et un cinéma où on a besoin de prendre ça pour compétir au FESPACO, compétir dans les festivals internationaux. Voilà. Donc, Vous n'aimez pas Hollywood? c'est pas que je n'aime pas. J'aimerais qu'on fasse la différence. Que ça, c'est fait pour le grand public, pour se faire de l'argent, parce qu'on en a besoin, parce que c'est une économie. Mais ne mélangez pas ceux qui aimeraient Faire du rester. cinéma d'auteur, si on peut dire Exactement, ça? exactement. Je pense qu'il faut vraiment que nous, en Afrique, on fasse la différence et qu'on montre cette différence-là à nos autorités parce qu'ils ne le savent pas. Mais Apolline Traoré, si vous permettez de vous interrompre, le cinéma d'auteur, il souffre autant en Afrique qu'ailleurs. Bien sûr. C'est lié au type de cinéma. Donc, Mais est-ce que... ailleurs, ils font la différence. Quand vous prenez, par exemple, Hollywood, vous prenez les grosses boîtes de production, non, vous prenez les studios. Les studios, dans l'année, ils se disent, OK, on fait 100 films dans l'année. Dans les 100 films, ils vous feront 80 films pour le cinéma. Quand je dis pour le cinéma, blockbuster. Des films qui sortent pendant l'été, des films qui explosent. Mais dans ces 100 films-là, ils vont faire attention de faire 10 films pour les Oscars. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur nom, parce qu'ils veulent aller aux Oscars, parce qu'ils veulent leur notoriété, ils veulent leur qualité. Mais dans ces 100 films-là, il y a 80 films, ils n'en ont rien à cirer, entre guillemets, de les Oscars. Mais c'est pour se faire de l'argent. Donc la différence est très claire et la différence, vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'économie au niveau il y a l'industrie cinématographique qui est devenue une industrie, qui est un commerce. Mais après, il y a ce cinéma d'auteur, donc il y a ces différences-là. Et moi, c'est tout ce que je dis. Voilà, en Afrique, en ce moment, il faudrait qu'on fasse aussi ces différences et qu'on permette, si aujourd'hui j'ai envie de faire mon film dans le désert avec une 35 mm, laissez-moi le faire. Ne me limitez pas par rapport à ABC. Après ça, je ne deviens plus auteur ou une artiste, je deviens une commerçante. Il faut que j'aille chercher la critique. Est-ce que ce n'est pas lié à l'histoire, une bonne histoire? Je ne le dis pas pour vous flatter, puis pourquoi pas, je vais vous flatter. Moi, Zafira, ce n'est pas un film qui fait pleurer. C'est pas, il y a des moments très drôles là-dedans. C'est même plutôt un film, oui, je dirais drôle, on est dans l'histoire, mais sans se dire, oh là là, pauvre Afrique, oh là là, pauvre Zafira, oh là là, pauvre fille. Est-ce que ce n'est pas lié à une bonne histoire? Peu importe que ce soit un film commercial ou un film d'auteur, est-ce que c'est pas une bonne histoire qui fait un bon film? Et puis voilà, parce que vous avez bien trouvé du financement pour faire Moi Zafira, Non, non? non. Vous l'avez fait, J'ai pas vous avez attendu. tout vendu? Non, j'ai pas tout vendu. J'ai un système où je fais une série ou une deux, voilà, pour la télé. Je me fais de l'argent là-dedans, je prends et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Par rapport à Moi Zafira, sincèrement, j'avais pas envie
de traîner et être dépressive pendant 2-3 ans pour chercher de l'argent. Je me suis dit, je vais faire un petit film de la manière dont je le vois. Comme ça, je n'ai pas les contraintes de quoi. Ça m'a pris 1 an et demi pour le faire. Je l'ai fait à mon rythme et j'ai pris le peu d'argent que j'avais par rapport à la vente que j'ai fait pour la série Testament. Et c'est ça que j'ai pris pour mettre dans ce film-là. Maintenant, quand vous dites il faut une bonne histoire pour faire un bon film, oui, mais il faut aussi des moyens derrière. Moi, si j'avais les moyens pour faire Zafira, je vous assure que je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. Ah oui. Ah non, je vous assure. J'ai fait ce film-là de la manière dont je pouvais le faire par rapport aux moyens que j'avais. Si j'avais eu plus d'argent, plus de moyens, je l'aurais fait, ça c'est sûr, d'une autre manière. Donc, oui, un bon film, une bonne histoire pour nous faire un bon film. Et c'est à nous aussi, voilà, de se... C'est pas parce que j'ai une bonne histoire, un beau scénario aujourd'hui, si je viens vers vous et je vous dis donnez-moi 100 millions pour faire mon film, même si vous avez adoré l'histoire, vous allez vous demander est-ce que je suis capable. Donc c'est ce qu'il faut faire, voilà. Maintenant, mais par contre, si je viens avec un petit court-métrage et je vous montre, vous regardez, vous dites waouh, ça c'est beau. Puis après, je vous mets dans un scénario à côté, je dis mettez 100 millions, vous allez le faire parce que vous avez cru à ce que je viens de vous montrer. Mais comme ça, je ne viens pas du jour au lendemain et puis je vous dis donnez-moi 100 millions. Mais moi-même, je le dis, mais moi-même, quelqu'un qui vient comme ça, un jeune qui vient vers moi, me dire aide-moi, je dis mais tu sors d'où? Tu es capable de faire quoi? Donc nous aussi, beaucoup d'Africains vont dire ouais, on n'a pas d'argent, les gens ne veulent pas, non, là, là. Mais montrer aussi. Moi aussi, moi aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comment je veux dire? Je ne peux pas accuser quelqu'un ou bien une institution ou qui que ce soit pour dire « Vous ne m'avez pas donné 100 millions ou 300 millions pour faire mon film. » Non. Parce que je pense que je suis encore petite et que avant que quelqu'un me donne 300 ou 500 millions pour faire mon film, il faut que je me prouve. Voilà. Et c'est ce que aussi nous, on devrait se prouver en se disant « Je fais petit à petit et un jour, quelqu'un, aujourd'hui, si j'ai fait mon film... » je ne peux même pas le dire même à combien j'ai fait ce film-là, mais avec les festivals, si quelqu'un voit mon film, il me dit « Ah, mais bon, il n'est pas parfait, mais je vois un potentiel. » Et puis après, je dis « Oui, voilà, j'ai un autre projet. » Est-ce que c'est comme ça qu'on évolue? On ne peut pas venir du jour au lendemain et puis dire « claquer les doigts ». Ça arrive, hein, oui. Entre guillemets, ça arrive. C'est ce que pense, je suis convaincu, c'est ce que pensent beaucoup de gouvernements. On va terminer l'émission, une dernière question. Vous avez parlé et je dis, vous avez quand même espoir que les choses vont aller en s'améliorant par rapport au cinéma en Afrique. Je pense que oui. Par exemple, aujourd'hui, il y a une association de ciné, de réalisateurs, producteurs qui s'est créée, par exemple, au Burkina. Donc, en tant que déjà association, c'est beaucoup plus facile d'exposer nos problèmes au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est déjà un. Deuxièmement, je pense que s'il y a des fonds, et on en a parlé pendant le FESPACO, s'il y a des fonds où on doit, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme dans tous les guichets où on va chercher de l'argent, pourquoi ça ne sera pas la même chose en Afrique? C'est-à-dire qu'on a un scénario, on veut faire un film, on le soumet à une commission, et puis la commission décide, ABC, et puis voilà, on nous donne cet argent-là. Et en plus de ça, ce qui est très 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 important, je pense, aujourd'hui, c'est vrai que les salles doivent vivre, mais il faut aussi que ces salles-là, quand ils reçoivent un film, ils disent, le son n'est pas bon, la lumière n'est pas bonne, l'image n'est pas bonne, je ne prends pas ce film-là. Et ça va nous obliger à nous améliorer. Mais si les distributeurs prennent tout comme ils veulent, même au niveau de la télé, hein, au niveau de TV5, au niveau de Canal, machin et tout, bon, Canal, ils sont beaucoup plus stricts, quand ils voient quelque chose, ils disent, c'est pas bon, quand ils vont te dire non une fois, deux fois, ben, je crois que tu vas aller t'améliorer. Je ne vous ai pas dit au début de notre entretien que notre invité a produit un travail très généreux. Vous l'avez vu tout le long de notre entretien. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Nous vous donnons rendez-vous une autre fois, toujours sur Njangui TV. Je suis Cyril Ekwala à la réalisation de cette émission. Honoré de Doudou Mabeu. À bientôt. Merci encore, Apollo. Merci.